Et on va démarrer ce journal avec le début des hostilités cet après-midi au stade de l'amitié, le stade d'Angoundié, avec donc cette CAN Total Gabon 2017. Le démarrage avec, vous l'avez suivi à l'instant, ce match entre le Burkina Faso et le Cameroun. Les deux pays se sont séparés sur un score de 1-1, mais le Gabon affrontait la Guinée-Bissau. Là aussi, les deux équipes se sont neutralisées, 1-1. Et bien avant cela, de manière séquencée, il y a eu cette cérémonie d'ouverture qui a vu la présence effective du chef d'État Ali Bongo Ondimba. Là-dessus, le reportage, le commentaire, Mathieu Koumba. Cérémonie d'ouverture tant attendue par les Gabonais. Le continent africain et même le monde entier vibrent en ce moment aux couleurs du football moderne africain. La CAN Total 2017 que le Gabon organise vient d'ouvrir les portes aux férus du sport rouen. Le stade de l'amitié sino-gabonaise, situé au nord de la capitale du pays, accueillant et rassemblant ainsi à l'unisson les peuples d'Afrique pour en faire un seul, a été donc le théâtre d'une cérémonie d'ouverture riche en couleurs, danse, feux d'artifice et autres. C'est le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, qui accompagnait Issa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football, qui a ouvert cette 31e édition de la CAN 2017 dans un stade archicombe. Je déclare ouverte la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Cette atmosphère de chaleur au stade a déjoué tous les pronostics. L'engouement était manifeste et le public gabonais a su répondre aux nombreux appels à la mobilisation.